Des championnats de France. Qui a dit ça? Et oui, le vlog de Luna est de retour. Est-ce qu'on est motivé? Elle a fait celui des qualifs. Ouais, faut que je vous montre celui des qualifs. Ah ouais. Oui, je... Bref, du coup, là, il est genre 13h, on part à 13h30. Il y a tout le monde dehors. Ouais, il y a un vlog ou quoi? Ouais. Incroyable. Donc là, on est dans le bus avec que les royales. Donc c'est bien, ça va être calme. Et la mère de Lise. Et du coup, il y a tout dans le bus. Genre, c'est vraiment un bus comme ça. Il y a des prises. Il y a des prises et tout. Elles font leur meilleur switch dans le bus. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Il ne saura te comprendre mieux que moi. Comme un machin, tu verras. Les mises dans ton. Des manos sur mon torse, de moi dessus, toi dessous. Bébé, je vais, je viens. Ça fait à peu près 2 heures qu'on a roulé, du coup on fait une petite pause, hein, air d'autoroute. Et voilà. Juste et attention, la pâte à box, combien? 8 euros. Waouh. Là, vraiment, les cheerleaders ont envahi la station. La station. En plus, j'ai envie de se payer un sandwich. Tu veux du saucisson? Regardez ce dalle. C'est mon candy. C'est pas bon. C'est pas bon. Il voulait parler. Salut les abonnés. Aujourd'hui, tuto beauté. On va vous montrer comment faire un soin avec un sandwich et un candy. Accrochez-vous. Genre 1 heure ou 1 heure et demie de bus, c'est un peu long là. Mais bon, ça va. Il y a beaucoup de gens qui dorment. Bon, les positions. Moi j'ai un pied là. J'ai un pied là. Attends, Lola. On est arrivé. Ouais. Là, on attend du coup pour avoir nos chambres. Et il commence à pleuvoir, c'est génial. Ok, je vous fais le petit room tour de la chambre, ma foi, très petite. Donc tout d'abord, on a 2 lits qui sont à moitié dans le couloir. On a une magnifique chambre avec... 1 lit double et nous on a de la chance, on n'a pas vu sur le cimetière, donc c'est pas mal. Là on visite les chambres des autres, c'est sympa. Un peu glauque les chambres. Ouais, un peu glauque. Apparemment il y a une petite vue sur le cimetière dans cette chambre là. Il y a toutes les tentes blanches, tu vois. Waouh. On a la même salle devant. Fais voir la petite vue, Louane. Là, il y a tout le monde qui est venu visiter notre chambre parce qu'elle est minuscule. C'est incroyable. Je suis contente de la mienne. Hein. On va manger tout en Tigers, hein, toujours. Toujours les bêtises avec Jordan, toujours. Hein. Il a perdu quoi? Oh my god! Il a perdu la carte bleue. Là, on va manger. Salut les copains, comment ça va? Avec tous les hélices. Ah ouais, vraiment. On peut faire un gros bisou avant d'aller faire dodo. Bah oui.
Elle pourra dire Thelma, à l'époque j'ai aimé même Phil où on a été les coucher une à une dans leur chambre en final 2019. Vous voulez savoir quoi? Tout ça pour que l'alarme incendie sonne genre 20 minutes après qu'on les ait toutes couchées. Parce que elles sont insupportables, elles le savent. Non, moi je suis réveillée dans l'endormi et dans notre chambre vous êtes arrivés parce que nous on dort. Tu trouves ce qu'il y a dans la boîte, je lui donne. Ouais, il y a médaille d'or. S'il y a des plantes. Merci. Ça j'entends. Allez, celui qui trouve ce qu'il y a dedans. Il y a des livres, la médaille d'or. Il y a des câbles. Il y a des couverts. Il y a des couverts. On est prêtes? Oui, vers sur table. Hein. Ouais. On va faire quoi? Qui sait? 1, 2, 3. Vous êtes nuls à chier. Je ne ferai plus avec vous. Carrément, on a entendu mon verre tout seul. On a trouvé le sosie de Jordan. C'est Solana, ma Pattaya. Depuis tout à l'heure, je pense à ça. J'ai trouvé ton sosie. Ah, mais c'est Anouar, ouais, frère. Mais c'est Anouar, il a un prénom, genre le nom. Mais c'est ton sosie. C'est gentil, merci. Vraiment, là, c'est fou rire sur fou rire. Les c'est... bouts, ça va. Marie-Lou, il te reste de la compote. Non. Elle a pas mangé sa compote. C'est 4 bières. Margot, ta compote. C'est cette délice. Non. Non. Regarde, elle a... Elle a de la maillot. On a volé du sucre. Les amis, là. Dans le soutif. Tout le monde. Mais non, mais j'en ai pas vu, moi, je les ai mis. Regardez. On a fait 2 simulations. Et là, il y a l'alarme du magasin, là, qui s'est enclenchée. On comprend pas pourquoi on a fait toute la fin de notre simulation avec l'alarme. Un plaisir. Là, c'est la D. Il nous reste 45 minutes. On doit toutes les 4 se doucher. On n'a toujours pas de clim. On est trop chaud. Genre, c'est une horreur. Et en plus, c'est une agence. Ils se sont trompés de cartes. Ah oui, donc ils ont plus de cartes. C'est une horreur. Elles se sont enfermées dehors. Parce qu'elles ont, elles ont plus la clé. Et elles sont sorties de la chambre. Les petits au revoir. Vraiment, notre soirée c'était que des catas. Là, la coach, elle est partie déter pour démonter la dame de l'accueil. Parce que bah, du coup, en fait, pendant longtemps, elle nous avait mis le chauffage au lieu de la clim. Du coup, depuis tout à l'heure, notre chambre, elle est comme ça. On est obligé de rester comme ça. Sinon, il fait trop chaud. Ça fait trop peur. Mais oui. Une galère, vraiment. Ok, bah du coup, là c'est la fin. On va dormir. Ouais. On est obligé de dormir avec la fenêtre totalement ouverte. Mais bon, c'est pas grave. On a le chauffage et pas la clim. Ouais, mais bon. Voilà, bref, à demain, bisous. Marie-Lou, dis au revoir. Et il y a eu un petit éclair, vous avez pas vu l'éclair? Ah, comme on dit, nuit orageuse, compétition heureuse. Et coucou. C'est le jour J. On s'est levé 10 minutes avant le réveil. Franchement, on est les boss. On a galéré à s'endormir, par contre, vraiment, c'était horrible. Oui, c'était horrible. Mais là, du coup, on est debout. On va déjà commencer à se préparer et tout parce que, bah, faut qu'on se coiffe, qu'on se maquille, qu'on se mette en uniforme et tout, genre, avant de partir. Donc. Ok, donc là on part pour le petit déj. On est clairement. Ouais, parce qu'on n'est pas prête, mais après ça va parce qu'on peut se préparer à la compétition. Oui, mais. Faut que je fasse ma moi aussi il faut que je fasse ma couette. En plus, c'est tellement qu'il va nous les faire à tous. Donc, ouais. Après ça va, là, ma couette elle est. I've been done, I've been moving on. Since we say goodbye, I get you off. I don't need your love. Wow, wow.
On a juste nos cheveux de fée, mais du coup on s'en va et on fera le reste à la compète. Comme ça on va aller voir les seniors et tout. Let's go. En plus on a toutes les t-shirts du championnat de France, trop beau. Vous dites bonjour au vlog. Dis bonjour au vlog. On fait atelier make-up dans le bus vu qu'on n'a pas eu le temps. Du coup on est à Vichy hein, dans le thème. Allez, où je suis dans le vlog là. Salut. Salut le vlog. Non, salut moi le vlog. Moi c'est Damien, enchanté. Non, moi c'est Damien. Et lui c'est enchanté. Non, bah pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est moi qui a créé MD Tire Production. Voilà, fais la petite pub du compte Insta. Bah, MD Tire Production sur Insta, Damien Macrez. On n'a pas vu le clin d'œil. Écoute, Alma m'a fait des baby hair. On s'est mis en uniforme dans le bus du coup. C'est toujours le même. Et là, on arrive, bon, on sait pas trop. Je pense dans 15 minutes, vu qu'il y avait de la route, vu qu'on était à Clermont-Ferrand et que la compète à la Vichy. Voilà. On est arrivé à Vichy. Tu sais qu'il y a pas un problème. Ouais, petit coup de stress. Ça monte, ça pression. Ouais, un peu. Mais bon, Ryan, il est là pour... Tu me prêtes ta valise? N'en parlons plus. Tu me prêtes ta valise? Non. Si. Partenaire particulier, cherche partenaire particulier. On est rentré dans le hall. Je suis ta gueule. Toujours ça se moque de moi. On peut te laisser la gueule par là. Ouais. Mais on est rentré, on a eu les tampons, non tonton? Ah. Et là du coup on est devant. Là il y a la compète là. Bon bah concrètement en fait on a fait tout le tour pour qu'au final l'entrée elle soit fermée, c'est bloqué. Du coup on a fait demi-tour, on a tout refait. Et on sait toujours pas par où on doit rentrer. Super. Ok, donc là on est arrivé à la compète, c'est incroyable, genre c'est hyper grand, l'ambiance elle est trop bien. Du coup attendez je vous montre, c'est trop beau vraiment. Quand il y a un mec qui présente et tout. Wow. On aura également la présentation de l'équipe de France. Ok, du coup on est passé. Je vous ai pas fait d'update. Du coup entre temps on a mangé, on a fait un très long échauffement et on s'est détendu et tout. Après on est passé. Alors on est fiers de nous, mais c'est pas un hit. En fait ça a eu deux. Il y a eu deux petits bugs, mais c'est pas des chutes, donc ce sera pas. Parce que hit, ça veut dire pas tirer rien, donc c'est un hit. Non, mais... hit, c'est réussir, donc. On a réussi, mais il y a quand même eu deux bugs. Genre, il y a un basket qui a pas trop décollé et un prone qui a fini en smoosh. Du coup, bah. Voilà. Mais à part ça, c'était super bien. Mais on a des adversaires redoutables, surtout un, donc ça va être chaud. Ouais. Donc ça va. Donc ça va être chaud, donc on verra. On a vraiment peur là, genre on n'est pas serein. La pause, on prend un peu l'air dehors parce que il fait beaucoup trop chaud dedans, genre on en peut plus. Et on voulait un peu sortir un peu pour s'aérer les esprits. Ouais, parce que là, voilà, s'aérer la tête parce que là on est en boucle, c'est une horrible. Horreur. Mais bon, ça va le faire. Du coup, après, ouais. On va voir les élites. Il y a genre 30 minutes ou 40 minutes de retard sur toute la compète, c'est une catastrophe. C'est horrible.
Mais on va vraiment pleurer devant les élites. Là, j'ai hâte. Là, je vais user ma voix. Oui, moi aussi. Ah bah, on va voir notre arbre après de la voix. Moi aussi, vraiment. Ok, donc on revient des Royals, des Blacks. J'ai hurlé du début à la fin. Mais Jordan, il a lancé son salto, je suis la plus heureuse au monde. C'était vraiment incroyable, ils ont fait que une chute. J'en ai une autre vers le fond. Ouais, mais c'est bon. Genre, c'était incroyable. J'ai hâte. Du coup, après, on a regardé les équipes élites. Les aigles, ils sont vraiment ultra forts. Ouais, genre, vraiment. Les Wolves aussi, ils ont géré. Mais franchement, par contre, le spectacle qu'ils nous ont offert, c'était incroyable. Vraiment. C'était trop beau. En plus, dans la zone des fans, vraiment, il y avait gavé de monde. C'était incroyable. Regardez au final qui c'est qui a mis un pansement. Ton salto aussi, il était trop beau, Jordan. Voilà. Donc, est-ce que tu peux retirer ce que tu as dit sur les pansements? Je l'ai déjà retiré. Regarde, j'ai mis le pansement pour la finale. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Merci. Je l'avais dit, si vous faites une carte de ouf, je le mets pour la finale. Ok, alors il est quelle heure? 19h54. 54, on attend le palmarès qui a du retard, évidemment. Le stress, ça va? T'es stressée, Marilou? Un peu, mais ça va. Moi, je suis pas confiante du tout. Hein. Je sais pas comment tu fais. Bah, on vous tient au courant. Le titre de champion de France dans cette catégorie senior revient à l'équipe USTC. C'est le chaos, vraiment claquette chaussette, une dégaine vraiment tapeur. Du coup, on s'est arrêté pour manger sur une aire d'autoroute. Il est genre 23h, on n'en peut plus. Petite pause sur l'aire d'autoroute, genre il est quelle heure? Quelqu'un 23h20. Ah, 23h20. Ah, 23h20, on va manger. Ouais, on mange vraiment. Là, on est dans les toilettes. Vraiment, on mange dans un coin, il n'y a pas de lumière. C'est drôle. On n'en peut plus là. Les championnes de France, à bout. Hein. À bout. Bisous. Bisous. Bisous le vlog. On espère que vous avez aimé ce vlog des championnats de France. J'espère aussi. Et on vous fait des gros bisous. Bisous. Bisous.